question que vous avez, qu'on vient d'évoquer. Qui sont les vrais héritiers de Mfuel-Boigny? Et écoutez à ce propos le président sortant, Laurent Gbagbo. Il y en a quand on lui demande, il dit notre parti, le PDCI, depuis 1945, on dit laisse ça. Toi, tu as fait quoi? Tu as été président ici, tu as fait quoi? Je vais vous dire, ces héritiers-là, il faut les décourager de dire qu'ils sont héritiers du fouet. Ils ne sont rien du tout. Ils sont héritiers. Un héritier qui ne peut même pas balayer la maison de ton papa? Est-ce que c'est un héritier? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Yamoussoukro était devenu une forêt. Ce sont des héritiers, ça. C'est moi qui suis en train de construire l'Assemblée nationale de Yamoussoukro, qui suis en train de construire le palais de la présidente de Yamoussoukro, qui suis en train de construire le Sénat de Yamoussoukro, qui suis en train d'achever l'autoroute de Yamoussoukro. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Monsieur Alassane Ouattara, vous avez certainement compris que le candidat Laurent Gbagbo estime que se réclamer héritier, c'est de poser des actes concrets. Il est héritier de... Je dis que se réclamer héritier, c'est de poser des actes. Oui. Et donc c'est pour cela qu'il estime que Yamoussoukro est devenu une forêt. Oui. Il a essayé de réhabiliter. C'est lui qui a construit l'Assemblée nationale, le Sénat. Alors qu'est-ce que vous répondez à cette... Vous savez, mais je suis désolé de le dire, j'ai beaucoup de respect pour tous mes compagnons. Patriote, a fortiori pour le chef de l'État, mais il n'a rien construit à Yamoussoukro. Il a des projets. Voici un monsieur qui est au pouvoir depuis 10 ans. Mais il dit, j'ai des projets, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Au lieu de dire, je suis en train de... Qu'il nous dise ce qu'il a fait. Il n'y a que le palais des députés qui a été construit par les Chinois. Il a plein de projets peut-être. Il a eu 10 ans, mais il n'y a pas un seul projet qui est sorti de terre. Mais il y a une autoroute qui est en cours de construction là-bas. Mais ce n'est pas terminé. Mais, mais ça a été initié, il faut du temps pour pouvoir l'achever. Mais l'autoroute était quasiment à 100 km de Yamoussoukro. En 10 ans, on ne peut pas faire 100 km. Moi, j'ai construit la route Bouna-Bondougou. C'est beaucoup plus que cela. J'ai commencé le financement de la côtière d'Abidjan à San Pedro, qui a été... exécuté par le Premier ministre Bani et le président Henri Konan Bédier. J'ai fait des choses, moi. Je n'ai pas dit je suis en train de. Mais on ne construit pas un État en faisant en train de. S'il avait eu 1 an ou 2 ans, mais il a eu 10 ans. Mais tout de même, même qu'ils ne prennent pas les Ivoiriens pour des idiots ou des naïfs. Oui, mais M. Ouattara, le président Mfuel-Boigny avait voulu faire de Yamoussoukro la capitale de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais il se dit, dans l'élément que nous venons de suivre, que les héritiers devraient pouvoir quand même poursuivre cette action. C'est ce que nous allons faire qu'à partir...